Déjà 7h dans tout studio télévision nationale d'Haïti, Delma 33 Port-au-Prince. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous jeudi 3 mai pour capable présenter toutes les informations qui ont dominé l'actualité. Rapidement, mes grands points. Jeudi 3 mai, c'est journée internationale à la liberté de la presse. Plusieurs activités prévoient organiser en Haïti, coulotte Bordeaux pour marquer date ça. Secrétaire général à Nations Unies, en main des gouvernements pays, travaille pour capable respecter la liberté de la presse et puis protéger les journalistes. Ministre Kilti à communication Joseph Guilherme Delva renouvelé hier mercredi en cadre d'une conférence pour la presse volonté gouvernement en place là pour capable résoudre ensemble problème pays d'Haïti a fait face. Ministre l'a rappelé effort gouvernement a fait pour porter réponse à revendication qui jissio renforcer institution yo et puis joindre en bourade de l'argent bon côté partenaire international yo. Opinion partagée dans la Chambre des députés en sous initiative, yon groupe 16 députés prend pour capable demander interpellation gouvernement en place là. Et puis à l'étranger, pour pipiti 9 moun mouri ayer mercredi dans aéroport Savannah en Georgie, pays États-Unis après yon avion cargo fin crasé sous piste aéroport Silla. C'est point ça yo à quelque l'autre n'a pas pour capable développer pour dans journal là n'a pas petit coup de pause pas déplacer n'a tourner. Merci pour fidélité et attention, nous retournons pour développement information yo. Et je nous dis tout dans grand titre jeudi 3 mai, c'est journée internationale la liberté de la presse. D'après ça, Nations Unies lui-même l'était décrété et bien dans message secrétaire général Nations Unies li baye, li fait connait liberté la presse c'est potomita la paix, justice, respect droit moun tout partout dans monde là. Liberté la presse c'est ciment toute société qui chita sous transparence, démocratie et puis lui permettre que autorité en place fait face à responsabilité yo. Li essentiel pour développement durable. Journalistes professionnels média yo c'est eux même qui ba nous information sur actualité locale ak sa qui a passé dans monde là et puis dit nous tout qui jan monde là a marché. Journalistes yo rend public là yon service qui pa gen prix. Loi pour capable défendre journalistes indépendants, liberté la presse, a droit pour moun capable gen information doit adopter, appliquer et puis respecter. Moun qui a attaqué journalistes, yo doit traîner devant la justice et puis juger comme sa droit. À naissance, dans l'occasion journée mondiale de la liberté de la presse, le secrétaire général des Nations Unies a demandé au gouvernement yo pour être capable de faire tout effort nécessaire pour que la liberté de la presse soit capable de respecter et puis pour être capable de protéger les journalistes. Il fait connaître les Québec ferme, il soutient la liberté de la presse là, et pendant que il a défendu le droit à la vérité, pendant qu'il remercie tout le monde. Et dans le même sens, ça, Office protecteur citoyen lui-même bon côté parler lui mandé autorité pays d'Haïti pour capable prendre mesures nécessaires pour capable garantir sécurité la presse par moi ici. Président République la Jovenel Moïse yon fois encore lancé yon appel tête ensemble tout secteur dans pays d'Haïti yon façon pour permettre tout projet la réaliser au rive toucher population sans aucune manœuvre ni la trouble dans pays ya. Zafè pays pat a droit à régler dans chirépita politique d'après chef à l'état qui t'a parlé dans cadre lancement construction barrage rivière Marion dans département Nord-Est mardi 1er mai passé. En nous suivant extrêmement micro Sabine Jean Etienne avec Janaël Duverdé. Haïti c'est pas seulement moun qui noir. Haïti c'est moun qui rouge, moun qui noir, moun qui riche, moun qui pauvre. Moun qui vivent dans section communale, moun qui vivent dans ville. C'est ça qui est Haïti. Et c'est Haïti ça depuis campagne électorale moi. Pour arriver jodi. C'est Haïti ça nous continuer à prêcher. On Haïti côté tout haïtien. Qu'on riche, qu'on pauvre, qu'on rouge, qu'on noir, qu'on vive la ville ou qu'on vive en dehors,
nous devons mettre tête nous ensemble pour nous quitter un pays meilleur pour générations qui venir. C'est aujourd'hui pour nous commencer, nous-mêmes politiciens, commencer à mettre tête nous ensemble pour nous faire confiance blaye entre nous, pour nous retirer méfiance qui est dans notre temps, nous, qui met pays à devant derrière depuis 1806 pour arriver aujourd'hui. Parce que ce n'est pas blanc qui t'a tué de Saline, c'est nous qui t'a tué. Jodi a faut nous prendre conscience pour nous connaître. Nous pas qu'à continuer gourmer on a clot. Nous pas qu'à continuer bataille dans hingang ça. L'homme monde ou sénateur, un député, un magistrat, un kazek, un azek, un délégué ville, un président. Peuple a voté, c'est pour tout le monde camper derrière elle dans temps mandat là pour le gain pour réaliser ça le gain pour réaliser. Changement yo. Yo visible, changement c'est pas dans parole seulement. Changement yo c'est pour nous poser dans action nous tout. Action nous même jodi a. Frère action qui dans l'opposition politique là. Jodi a faut nous suspendre servir avec vieux slogan. Faut nous suspendre servir avec faiblesse peuple là pour nous mettre tête nous ensemble pour que pour nous travailler, pour nous quitter un pays meilleur pour Haïti. Élection pour qu'on commence. Nous pour qu'on joue élection. Bataille électorale là, commence trois bonheurs. En temps d'élection, c'est 2019, c'est octobre 2019, c'est octobre 2021. Je dis à pays a besoin de la paix. Pays a besoin de tranquillité, le besoin de sérénité, le besoin de coude à coude, fraternel. Haïtiens pour vivre ensemble, pour que barrage ça. Jean nous dit, nous voulons quitter 12 barrages d'irrigation dans le pays comme ça. Je dis à ces premiers qui ont construit là. Administration Moïse là, gouvernement La Fontaine, décrété zéro tolérance contre contrebande qui a fait chaque jour dans la zone frontière. D'après ça, président républicain Jovenel Moïse, qui représentait une pire gros morceau dans l'affaire corruption. Chef d'État a annoncé qu'il y a un pile d'efforts qu'a fait pour augmenter la présence de la police sous frontière qui séparait pays d'Haïti et République dominicaine parmi plusieurs mesures contre la corruption. L'administration l'a appris pendant les derniers jours. Toujours dans le micro, Sabinja Etienne et Jean-Naël Duvernay. Je connais un pile problème, un pile problème dans la frontière. Sénateur Larèche saute parler de l'affaire de Wanamet, il y a 59 points qui ont un problème dans la frontière. Et moi-même, moi dis, ce n'est pas question de marché binational qui a un problème. Problème contre Bonne, nous dis, nous te dis l'autre jour, nous allons venir pour nous venir camper face. Même dans la police nationale, je parle avec le directeur général là avant hier, qui dit qu'il y a plus de 250 policiers qui ont une formation. Et je remercie publiquement les États-Unis, le Canada qui a supporté nous pour que les policiers nous baillent une formation en matière de surveillance de zones frontalières. Je vais quitter le pouvoir avec au moins 1000 policiers sous frontière qui ont suivi toute ligne frontalière. Je vais quitter le pouvoir avec un pile soldats dans la mer qui pourraient courir le travail que la police lui-même a fait. Qui joue un rôle de proximité, la police c'est lui qui l'a pour tout près peuple là pour jouer rôle lui, l'armée lui là pour jouer rôle de défense nationale, la défense territoire. Avle dit moi dit frontière là qui poreuse jodi a, li pas qu'une fatalité pour nous, c'est pour nous camper, pour nous dire, pour nous gérer frontière là caï nous parce que nous sommes peuple qui grand monde, nous sommes peuple qui indépendant. Je dis à nous pas cap camper pour frontière à bon nos défis. Moi dis douane qui sur frontière. Faut reconnaître je dis à faut reprendre responsabilité. Moi dis le clair dans niveau administration pas nous c'est zéro tolérance. Nous pas là pour encourager aucun monde qui comprenne c'est nos affaires contrebande qu'on comprend nous qu'a faire richesse. L'on entre dans contrebande c'est empêcher ou empêcher petit ton lot malheureux à l'école. Corruption et transparence en mécanisme et enjeu, c'est tellement yon colloque à deux jours, université Kiskeya na tête collée
ak 1804 instituteurs a organisé jeudi 3 mai pour boter demain 4 mai. Dirigeant a réalisé colloque sila par rapport à contexte intérêt phénomène corruption soulevé dans population. Avant colloque ça, responsable organisé hier mercredi 2 mai, yon atelier pour différents membres médias yon dans l'idée pour capable sensibiliser journalistes sur rôle yo qui capable jouer dans bataille contre corruption par bon ici. Falanda Delphin et Michel Joseph a dit non plus. France Duval, président ANMH, Régine Dupuis, avocate, Erol Jean-François, ancien président ANMH, avec Jean-Claude Louis, représentant PANOS, ces différents panélistes qui étaient intervenus dans l'atelier ça, qui étaient regroupés étudiants, journalistes, représentants société civile pour discuter thématique corruption historique, rôle avec importance média, proposition loi sur libre accès à l'information, c'est quelques différents points qui étaient débattus dans l'atelier si là. Président Association Nationale Média Haïtien yo France Duval dressé un mec bilan sur quantité journalistes professionnels enquêtés qui gagnent dans pays a malgré plusieurs formations quelques organisations non gouvernementales t'ai organisé après tremblement de terre pour permettre gain journalistes investigation dans pays a puisque l'irété croit pour lutte contre corruption réussi ces médias avec journalistes investigateurs qui capable faire si pour faire un acte de corruption il faut être au moins deux dans la presse également pour comprendre le phénomène, pour dénoncer le phénomène, pour enquêter sur le phénomène, il faut au moins être deux. Il faut le journaliste, et c'est pourquoi je me réjouis de la présence de Jacques Desrosiers, et il faut le directeur de médias. Les deux doivent, le journaliste doit mettre son courage et son intelligence, et le patron de médias doit donner son OK pour que son média aille dans ce sens, parce que c'est une bataille qui a toujours des implications. Et souvent, mieux vaut que les médias se mettent ensemble pour bien faire ce travail, parce que souvent, seul, on échoue. Ancien président Association Nationale Média Haïtien, Erol Jean-François, lui soulevait quelques difficultés qui empêchaient les médias de diffuser bon genre message démocratie. Monsieur Erol Jean-François rappelait, la presse doit accompagner la société à en faire passer les revendications. Monsieur Jean-François insistait sur la nécessité pour parlementaires de faire loi sur corruption qui a servi comme instrument pour éradiquer le phénomène ça dans le pays. Des plaidoyers doivent être menés auprès des pouvoirs publics, le Parlement notamment, pour l'adoption de lois pour criminaliser la corruption, réviser et actualiser l'arsenal législatif et offrir les instruments légaux indispensables pour l'affinement de la lutte contre le fléau. Avec proposition sur libre accès à l'information qui gagne 50 articles dans 6 chapitres, représentant PANOS caribéen Jean-Claude Louis mettait accent sur état de droit avec bonne gouvernance qui pral traduit transparence, ça qui est capable d'aider d'après lui dans la lutte contre la corruption. Certains journalistes ne pensent pas qu'on a besoin d'une loi sur l'accès à l'information. Certains patrons de presse également, qui pensent que les dispositions constitutionnelles suffisent à garantir le droit à l'information. Et il y a les juristes, et je suis sûr qu'il y en a dans la salle, qui estiment que dans le cadre légal haïtien, il nous faut une loi sur l'accès à l'information. Malgré que ces deux entités qui ne s'entendent pas tout à fait sur la portée d'une loi sur l'accès à l'information, ils admettent qu'il y a toutefois un problème d'accès à l'information en Haïti. Colloque ça qu'a fait 3 à 4 mai 2018 là dans l'université Kiskeya, gain pour objectif sensibiliser citoyens yo sur gouvernance ak sens responsabilité yo doit gagner dans exercice fonction yo. Dans occasion yon conférence spéciale dans ministère communication sous bois vert à Port-au-Prince hier mercredi 2 mai, ministre Kilti à communication Joseph Guillerce Delva parlait sur différents points qui ont dominé l'actualité. Question et revendications diverses secteurs, j'ai fort gouvernement à faire pour capable apporter réponse à revendications qui gisent pour renforcer institution yo pour joindre en bourrade l'argent bon côté partenaire international yo, c'est parmi différents points ministre Kilti à communication abordé. Dans l'occasion, nous suivions extrait dans la déclaration de Namiko Rachel Saint-Fort à Chloé Darly Jean-Jacques.
Comme communiqué qui sortit sur ça, je pense que nous recevons c'est un communiqué sur la participation de la délégation haïtienne qui est allée à Washington, qui a rencontré avec Banque mondiale, FMI et la BID, côté gagné un engagement de plus de 90 millions de dollars d'appui budgétaire que le pays est capable de jouer avant de faire exercer ça. Je pense que c'est un bail extrêmement important. Dans un moment côté, jusqu'à présent, tout ça que le gouvernement, toute sa administration, Moïse Lafontaine a fait, c'est avec l'argent de l'État. Et nous connaissons que c'est pas que rien pays a les assez solide pour faire face à tout besoin qui gagnait, toute revendication qui gagnait, j'en entendais un peu partout à différents niveaux. Et nous avons des revendications que nous avons gagnées, donc nous sommes capables de dire que c'est des revendications légitimes. Mais nous comprenons tout que ce n'est pas en un an, ni deux ans, ni cinq ans, ni même dix ans que tout problème pays d'Haïti pourra le résoudre. Donc c'est commencé pour nous commencer, et je pense que le gouvernement ça, avec le président Jovenel Moïse et le premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, je pense que yo baille le ton. C'est vrai, en pile monde paco, peut-être tout résultat. Effort qu'a fait yo, parce que j'en ai dit, c'est pas d'un coup ou après effet yo, mais n'a dit que gagner ou pas de la bonne direction. Là où est que FMI, Banque mondiale et BID, Union européenne, ils prennent décision pour commencer à supporter le gouvernement à travers notamment plus de 90 millions de dollars que y a bail là, et c'est parce que yo ouais signal ça. Yo ouais que le gouvernement lance des signaux qui montrent que gagne réforme qu'a fait dans l'État, gagne des dispositions qui faites pour gommer contre la corruption par exemple, gagne des dispositions qui faites pour assainir l'administration, pour faire des dépenses qui plus utiles et qui apporter des résultats concrets. Donc il a même accepté pour appuyer le gouvernement, pour marcher avec le gouvernement. Conférence spéciale c'est là dans le cas la ministère communication anti occasion tout. Pour le ministre Kilti à communication, on parle des sujets qu'il faut faire pour permettre à l'activité de reprendre normalement dans l'office assurance véhicule contre tiers au AVCT. Ministre Joseph Guilherme Delva m'a dit employé au AVCT pour être capable de reprendre le travail pour faciliter l'institution si là, recommencer par la population service comme ça doit. Rachel Sefort, le roi d'Ali Jean-Jacques, à nous suivre un extrait. OAVCT Kounia là a fonctionné un l'autre genre, l'a fonctionné pi bien, et comme si li gagne des dépenses qui pas justifié que le pape fait, et li dégagé un surplus de 56 millions de gourdes alors que c'est dans où j'étais il pas de capé employé. Kounia là dette de plus de près de 700 millions de gourdes qu'il dégagne par rapport à prestataire de services et de biens. Eh bien, c'est ça l'a épongé actuellement là. Et donc, on y a là, li nan positif. Li pas nan négatif encore. Donc, nous, et m'a capable d'annoncer nous que actuellement là, service, circulation en AVCT, li reprend. Et nous même demandé tout employé reprendre travail yo. Ok? Et gede moun kap fè moun menace tout pour moun pas le travail. Ça yo, la loi punit, attention. Hein? La loi punit, parce que là, ça n'a pas fait syndicat après lui. Soit menacé moun parce que moun nan vle al travay. Parce que au moment syndicat, so bagay libre, fò moun nan senti libre pou le faire sal vle a. S'il vle al travay, li pa al travay. Li pa vle al travay, c'est volonté le pou li, c'est pas moun ki impose li. Donc nous connaît que genyen des moun k'ap fè ki an dan k'ap fè l'autre moun menace et menace très grave. Gen note ki prend de ça pour que moun sa konnen que la loi punit ça. Les apport syndicat non, nous ou moun ki syndiqué que a poursuivi non. L'offre est une menace, la loi punit. Notez ça, et je vais tout le monde noter ça pour ne pas dire pas de connaître. Mon cap dit qu'il prend une masse révocation. Révocation en masse, nan, y a fait l'autre révocation prévoit pour révoquer moun, ce n'est pas vrai. Pas un plan comme ça pour révoquer moun là, dans l'OAVCT. Okay? Donc, ça, c'est des rumeurs de moun qui voulaient créer l'obéi. Donc, nous voulons préciser ça. Ou avec cette stabilité, là, c'est un processus de stabilisation que l'économie a là.
En fait, quitter le pouvoir exécutif là, nous prenons dans le législatif là, puisque y a un groupe de 16 députés, écrit président Chambre des députés Gary Bodo, vendredi 27 avril passé, pour capable mander là, interpeller le gouvernement. Groupe à ça, il y a Jean-Robert Bossé, Joseph Manès Louis, Deus Dérounette, Bertrand Signal, Louis-Marcel Luméran, Vickerson Gagné, Rénal Exantus, Roger Millien, Claude Leslie Guillaume, Enel Apollon, Abel Décoline, Acida Audley, Pierre Fekir Julien, Baudelaire Noël Saint, Jean-Gabriel Léonel, Aka Smith Romuald. D'après règlement intérieur chambre basla, ces conférences en président yo cap gagné pour capable décider sous date interpellation c'est là. À nous suivre. Nous adresser formellement une correspondance au bureau de la Chambre des députés pour solliciter l'interpellation du gouvernement qui gagne en tête li et Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Et nous déposer cette demande depuis lundi, et espérant que Tabien conférence des présidents pour trancher sur lui pour qu'a fixer la date, puisque selon le règlement intérieur là, 5 députés seulement suffit pour faire une demande d'interpellation. Nous faire en sorte que 16 signatures apposées sous demande d'interpellation. Hein. C'est et nous attendons que la conférence des présidents lui fixe la date d'interpellation. Aujourd'hui, c'est parce que nous avons réglé en question de groupe 16, ou du moins de minorité. Nous pensons que nous avons fait un travail parlementaire, là, qui est un travail de contrôle. Nous attendons le jour maintenant qui sera fixé par le bureau ou par la conférence des présidents pour nous faire débat au niveau assemblée, pour nous étaler maintenant par la nation l'ensemble des griefs nous avons contre le gouvernement, et puis tout, chaque collègue, chaque député, prend la responsabilité face à la nation. Dans le même sujet ici, le député circonscription 15 Kofla dit qu'il n'est pas d'accord avec la décision du groupe 16 députés ça y prend pour capable de demander interpeller le gouvernement. Le parlementaire a expliqué puisque le remaniement fait dans le cabinet ministériel, le député a été étendu qui travaille nouveau gouvernement a fait. Député Alfredo Antoine dit qu'il reconnaît la constitution, ba collègue sa yo droit pour capable faire interpellation, li kwè tout député yo dwe bay nouveau gouvernement yon titan. Fenè confident Moïse Ulbrich annoncef. Si avant question remaniement, question d'interpellation te fait, nous t'ap comprendre bien fondé. Koun y a deux bagay que société a posé tête yo. Est-ce que c'est pas dans remaniement gen insatisfaction? Est-ce que on t'a attendre que cabinet ministériel qui t'a monté a gen ministre qui t'a pral faire partie qui t'a sorti dans groupe paroi? Est-ce que son insatisfaction problème que t'a posé nous? Est-ce que population li même côté population dans tout ça? Question interpellation, est-ce que c'est pour résoudre problème pays a vraiment parce que tout c'est normal pour exercer pouvoir de contrôle quel que soit et tendance politique ou au niveau parlement. Mais chaque ministère a un budget. Est-ce que collègue n'a parmi députés interpellateurs d'abord, est-ce que yo étudié question budget ministère par ministère combien cob que yo rivé épuisé dans budget ça, budget d'investissement qui cause que impact là ne pas senti sur population. Et pour interpeller constitution dit clair dans article 129 et suivant. Si que nous pas arrivé à un vote de censure, nous pral prendre 6 mois avant que nous interpeller Premier ministre. Est-ce que groupe député interpellateur c'est pas de véritable allié de Premier ministre là que au cours interpeller sans que vous pas rendre compte, yo pas évalué remaniement pour voir que question remaniement après remaniement pour évaluer ministre qui a une nouvelle mission ça qui travaille que vous pral faire. Est-ce que vous pouvez faire du travail pour le peuple là? Donc, ou pas même temps qu'on capable d'évaluer le remaniement ça et puis vous courir vers l'interpellation. Je pense que la population qui vote nous est un peu troublée. Le peuple ça a perdu. Mais pour que l'exécutif adresse des politiques publiques qui pourraient aller à un avantage population.
Toujours dans ça qui vient pour eux à demander interpellation pour le ministre Lam, ministre Kilti à communication Joseph Guilherme Delva fait connaître des mails ça rentrer dans cadre prérogative parlementaire. Ministre souhaitait des mails ça fait dans intérêt pays pour aller inviter chaque citoyen développer sans sa communauté lacayo pour travailler pour bien-être société. Un extrait dans micro Rachel Saint-Fort à Claude Ali Jean-Jacques. N'a quitté le processus là, suivre Colis. Et la loi a pas appliqué, la constitution a pas appliqué. Donc c'est ça que nous souhaitons. Et nous souhaitons que tout ça fait dans l'intérêt pays. Hein. Attention. Nous souhaitons le fait dans l'intérêt pays. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un bagage qui a fait parce que il y a des gens qui peut-être politiquement, c'est l'autre bagage qui peut-être y a défendre. C'est bon, c'est droit. Politiquement, il y a des agendas et en perspective de qui ça nous pas fini de connaître. Mais, comme le président dit, je pense que c'est important. Côté dans l'opposition, côté dans le pouvoir, côté dans n'importe qui côté, dans n'importe qui parti politique, ça pour garder je ne veux dire, les routes qui fait, ce n'est pas pour tête calée, ou bien pour Lavalas, ou bien pour Fusion, ou bien pour OPL, ou bien pour l'autre parti politique. C'est pour le peuple haïtien, tout le monde, quelque chose à côté de trouver, ou à bénéficier de lui. Donc, le gouvernement ou le président qui a fait travail ça, même si on est en opposition, ou pas qu'à chercher à bloquer le travail comme ça. Là, on fait ça, premièrement, on travaille contre propre tête. Pas parce que on dit, ou à faire politique, ou joue espérer pour prendre pouvoir tout. Mais ou, alors, besoin, ou préférez venir jouer un pays écrasé, et puis c'est recommencer ou pas recommencer. Mais si le président a une équipe qui vient, il fait un premier pas, il fait un bout de route là, il fait un bout de route dans. Chemin de développement pays à suivre là. Mais ou même à venir, nous allons continuer plus loin. Chaque sac venir, à continuer plus loin. Faut finir avec s'enrêler la politique du pire. N'est-ce comme si ça, c'est ce qu'on brite, comme si c'est l'obéille. Là, c'est la danse, sent-il bien. Je ne sais pas ça a fait des pays. Donc, politique, président dit ça hier, et me noter, comme si on parle avec le politicien là, lui, où est-ce qu'on va faire. Il a pas la parole, dit mon cher président, mon cher Guillaume Bellou, travail, où a fait là. Et mon cher, je pense ça, mon cher, c'est très bien. Et parce que ça l'a dit, pas menti, c'est vrai. Mais, le radio, il dit une autre parole. Et puis, quand le président dit, l'homme a dit, par exemple. Mais c'est pas ça, il a parlé, j'aime moi, il a parlé, radio, il a pas ça. Il dit, ah, président, on est politique, n'a fait pas eu, genre, compliqué. Qui, genre, ou pas qu'à faire comme ça, faut que, courage, pour dire, bon, ça, bon. Ça n'est pas bon tout qu'il a dit. Comme si, gouvernement, ça, il n'est pas venu là pour dire parfait, comme si tout ça le fait parfait, non? Non, d'ailleurs, mais nous désirons. Ce n'est pas le gouvernement qui vient là, il dit comme si il a dit, même si selon l'autre planète, il sortit, ou bien selon le ciel, il sortit, tout ça le fait bon, c'est bon Dieu. C'est seul bon Dieu ou qui a dit parfait. Pas qu'il y a aucun monde sur la tête parfait. Le gouvernement qui doit faire un travail là, il y a un problème là-dedans. Opposition, bien n'importe qui monde dans n'importe quel secteur, ou dit, ah, président, ou le gouvernement, gon problème là, dans ça n'a fait là, c'est vrai, nous faisons tel bail là, c'est très bien, mais là, gon problème. Et bien, on met ensemble pour nous résoudre. Li. C'est attitude ça pour nous gagner. Faut que nous voyons la communauté. Et il y a un plus gros problème pays d'Haïti gagner, moi, je dis ça. C'est parce que nous pas gagné le sens de la communauté. C'est là, nous fermons le chapitre local là, nous prenons aller l'autre bord de l'eau et nous te disons dans le grand sitio. Yon avion cargo militaire crasé hier mercredi, tout près à l'aéroport Savannah en Georgie, dans le sud-est pays États-Unis. Pour bilan, pour pipiti, 9 mois ont perdu la vie dans l'accident. Euronews pour plus de détails. Un avion cargo militaire s'est écrasé mercredi matin près de l'aéroport de Savannah en Géorgie, au sud-est des États-Unis. Au moins 9 personnes ont été tuées. L'Hercule C-130 s'est écrasé sur une avenue juste après son décollage. L'avion effectuait sa toute dernière rotation avant sa mise au rebut après 50 ans de vol. 30 personnes ont sorti blessées pendant une explosion qui arrivait dans la nuit là, pendant une fête à la communauté juive organisée dans la ville de pays Angleterre. Euronews pour plus de détails. Oh,
déjà 7h30, l'arrivée est le moment pour nous capables d'aller, mais avant nous dire bye-bye, permettez-nous de rappeler un grand point qui domine l'actualité. Jeudi 3 mai, c'est journée internationale de la liberté de la presse. Plusieurs activités prévoient organiser en Haïti, couleur de bordel pour marquer date ça. Secrétaire général de la Nations Unies a demandé au gouvernement pays de travailler pour capable respecter la liberté de la presse et puis protéger les journalistes. Ministre Kilti à communication Paboisita Joseph Kilers et Delfa renouvelé hier mercredi dans cadre d'une conférence libre et la presse volonté gouvernement pour capable résoudre ensemble problème pays a fait face. Ministre a rappelé effort gouvernement a fait pour porter réponse à revendication qui jissio renforcer institution yo et puis chercher bourada l'argent bon côté institution partenaire international yo. Au niveau de la Chambre des députés, opinion est partagée sur l'initiative de l'Union groupe 16 députés prend pour capable de demander interpellation gouvernement en place là. Et puis à l'étranger, pour pipiti 9 personnes mourir hier mercredi dans l'aéroport Savannah en Georgie pays États-Unis après un avion cargo militaire fin crasé tout près aéroport si là. Et là, nous mettons un bout dans le journal là, nous te content ensemble avec vous pour capable informer vous. Nous avons surtout passé un très bon jeudi sous TNH. Rendez-vous pour une prochaine édition nouvelle, c'est à midi, avec moi-même, c'est demain matin à 7h. Bonne journée tout le monde.